ciel. Amen. Il a la joie parmi le peuple de Dieu. Amen. Et moi je dis souvent, c'est l'ennemi, Satan, qui n'est pas content, il ne sera toujours pas content. À qu'on verra mon ciel regagner le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que ce matin, nous puissions passer un bon moment de la présence. Amen. Amen. Lève-nous de la présence de Dieu. Disposons nos cœurs. Amen. La parole de Dieu. À vos maisons, mais on vient vous louer le Seigneur. Et le Seigneur prendra soin de vous. Et le Seigneur va s'occuper de vos problèmes. Amen. Si vous êtes malade, le Seigneur va s'occuper de vos maladies. Par les grands et fidèles. Alléluia, ferme nos yeux. Prions. Alléluia, bénissant ton nom, ce matin, notre Dieu, notre Père. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Marie, sur le moment que tu as fait pour nous, mon Dieu. Merci, Marc, que c'est la raison que tu as préparé il y a longtemps d'avant de ton peuple. Que ce matin, nous voulons nous disposer encore à te louer, à t'adorer, Seigneur, et à courir ta volonté, Seigneur. Et que la Bible dit encore, Seigneur, de richesse, le bruit d'adorateur, celui qui adore Dieu, l'esprit en vérité. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur, avec le même temps, de pouvoir te louer, Seigneur, de pouvoir t'adorer, Seigneur. Et nous voulons dire merci pour ta présence. Thank you.
Thank you.
pour honorer le Seigneur, pour le glorifier, le rendre culte. Et à l'occasion d'aujourd'hui que nous allons baptiser des personnes là, et je crois de tout mon cœur que le ciel est en joie. Yeah. Il y a un ciel sur la tête qui est en joie ce matin. Tu n'as pas compris. Je dis qu'il y a un ciel sur la tête qui est en joie. J'ai une très grande responsabilité aujourd'hui d'emmener les gens de faire alliance avec le Seigneur. Sur la fin de cet après-midi, j'ai une très grande responsabilité encore. Il y a une jeune fille de 20 ans qui doit mourir. Et la famille est en deuil. Et le pasteur va passer le relais pour prendre la charge de cette famille et de ces jeunes filles. Alors pour te dire, bien-aimé, tout simplement, tu es vivant, tu es là dans la présence du Seigneur, tu n'es pas dans le deuil et tu ne sens pas l'odeur de l'enfer. C'est le diable qui doit sentir l'odeur de l'enfer. Mais, est-ce que tu connais l'odeur de l'enfer? Tu connais? Et la mort, ça sent comment? La pourriture. Ça, tu ne connais pas, je peux vous dire. Moi, j'ai déjà senti l'odeur de l'enfer dans la vie des gens, bien aimé, avec l'esprit de mort. Ça sent très mauvais. Mais le Dieu de Christ, ça, c'est un parfum de vie. C'est un parfum de joie. Aujourd'hui. Amen. Amen. De dire que le parfum du Christ doit exalter bien aimé. Cela doit se répandre. Alléluia. Ton frère, ta soeur, tes amis doivent ressentir dans ce bon parfum de Michel. Vous savez, quand les gens sentent la porte, hein, les gens causent si vite. Alors j'ai vu les gens, parfois, quand ils voient quelqu'un qui est installé, ils causent si vite. Ils ont peur. Ils ont peur que ça va tirer sur leurs oreilles. Mais quand nous sommes dans la présence du Seigneur, il y a la paix. Il n'y a plus peur dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te réjouir ce matin dans la présence du Seigneur? Prépare l'offrande, prépare la dîme ce matin, avant que nous poursuivions la suite de ce programme. Je veux te rendre un témoignage. Moi, je viens avec un témoignage. Vous savez, je peux vous enseigner, j'ai beaucoup d'enseignements, mais ça va venir un jour. Mais je viens avec des témoignages vivants. Avec les témoignages que le Seigneur me montre réellement la puissance qu'il y a dans l'offrande qu'il y a dans la dîme. Je dis que la puissance qu'il y a dans l'offrande qu'il y a dans la dîme. Il y a une personne, elle est fidèle dans la dîme. Et sur cette fin d'année, mois de décembre, période de fête, période de mois de janvier, et elle est honnête. Elle m'a dit que j'ai emmené, j'ai fait la fête. Et j'ai oublié, j'ai négligé du moins d'apporter ma dîme à l'homme de Dieu. Et elle est venue débarquer devant ma maison en disant qu'il m'a téléphoné. J'ai envie de dire que je suis très occupé. Je dis non, j'ai senti dans mon esprit, il faut que je reçoive cette personne. Et cette personne est venue en confessant son péché en disant que le Seigneur m'a montré c'est le moment que je puisse obéir sa parole. Parce que tout mon argent est bloqué. Vous n'avez pas compris. Tout mon argent est bloqué. Je suis venu emmener la clé pour ouvrir le coffre-fort. Le coffre-fort dans les lieux célestes. Amen. Je dis à cette personne, le Seigneur va te bénir. Tu dois me rendre témoignage parce que tu dois retourner me voir. Parce que Dieu va débloquer ton argent, tu vas emmener en boîte à dîme. Amen. Je ne supplie pas les gens. Dieu ne supplie pas les gens pour donner bien aimé. Si tu donnes, donné, il vous sera donné. Mais si tu ne donnes pas, tu seras pauvre. Et Paul dit, celui qui garde sa pauvre riche, mais celui qui est donné s'enrichit de plus en plus. Ton expérience, et pendant que la chorale va nous conduire dans un champ, nous allons enrichir dans la présence du Seigneur, et tu prépares de l'offrande à Dieu, et tu gardes avec joie, tu sèmes dans le bonheur. Alléluia.
ce matin envers moi, envers l'Église de la Voix du Salut, envers, je ne sais pas, une dénomination, un système quelconque, mais la Bible révèle, ils vont s'engager envers Dieu, avec leur bonne conscience. Et voyons ce que l'apôtre Pierre révèle dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. C'est bon pour les gens qui vont se faire baptiser, mais c'est bon aussi pour les gens qui sont déjà baptisés. Amen. Amen. Parce que tu dois te rappeler, tu dois te souvenir que tu as pris l'engagement, peut-être il y a quelques mois de cela, quelques années, tu as pris l'engagement envers Dieu. Et tu dois respecter ton engagement. Amen. 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 C'est comme le mariage. Tu dois respecter ton engagement. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit Saint, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, ceux qui étaient morts, qui ont cru en Dieu, mais qui n'ont pas pu accepter, bien sûr, la grâce, Jésus vient après. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, vois bien, et combien de personnes vont se faire baptiser aujourd'hui? Oui. J'ai pris ce texte sans penser le mot 8, mais mon message c'était l'engagement envers Dieu. Et vous allez comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Fut sauvé à travers l'eau. Cette eau a été une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est le sang de Jésus qui nous a lavé, purifié, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. C'est écrit dans votre Bible. Je pense que si vous allez prendre toutes les Bibles, toute traduction, toute langue, ben c'est écrit tout pareil. L'engagement en vertu d'une bonne conscience. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite maintenant de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances, lui, ont été soumis. Amen. Et acclamons le Seigneur du matin, pour ce qui est aujourd'hui. En autorité dans le ciel. Amen. Tu dois connaître cette vérité. Quand tu connais la vérité dans ton cœur, le diable tremble devant toi. Quand tu ne connais pas, c'est toi qui tremble devant le diable. Quand tu as la vérité en toi, le diable tremble. Parce que le diable n'a pas peur de toi, mais le diable a peut-être ma voix, mais il a peur de l'autorité de Christ qui est en moi. Alléluia. Est-ce que tu es toujours là? Le baptême d'eau, bien-aimé, que Pierre nous révèle, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce que vous êtes là? Cette bonne conscience, bien-aimé, avant de connaître le Seigneur, personne n'avait cette bonne conscience. Mais cette bonne conscience, c'est le Seigneur qui nous a donné. La Bible dit que le sang de Jésus a purifié notre conscience de toute souillure afin que nous puissions servir Dieu. Amen. J'avais une mauvaise conscience lorsque j'étais dans la religion. Je voulais faire le bien, mais le mal était là dans ma conscience. Mais le jour que le sang de Jésus est venu dans ma vie, j'ai accepté le Seigneur. Son sang m'a purifié. Son sang m'a lavé. Et son sang m'a donné une bonne conscience. Et cette bonne conscience, c'est la conscience divine. C'est la conscience de Dieu. Maintenant, Dieu veut t'emmener dans sa vie. Dieu veut t'emmener à pratiquer le bien et de prendre le bon chemin que Dieu a déjà tracé dans ta conscience. Dans ta conscience.
tu sois sauvé par ta foi en Christ Jésus. Alors ce matin, lorsque j'étais en train de prier, je dis 8 personnes. Et pourtant, il y avait au départ plus que 8, plus que 10. Je dis 8. 8 qui donnent la décision ferme. Et lorsque je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit que seulement 8 personnes étaient sauvées le jour du déluge, lorsque Noé, Dieu l'a utilisé pour sauver sa famille. Et avec la connaissance de la parole, le chiffre 8, bien-aimé, c'est le chiffre au 8e jour. Quel nom tu as donné à son peuple? C'est-à-dire les Juifs au 8e jour, la circoncision. C'est-à-dire que les enfants mâles devaient se circoncire. La circoncision. Et l'Esprit de Dieu m'a montré qu'il y a une vaste circoncision à partir d'aujourd'hui à travers ces 8 personnes. Conclu pour Noé, 8 personnes qui étaient sauvées de la mort du déluge. Et nous voyons que l'œuvre de Dieu a continué, bien aimé, et le peuple de Dieu a été sauvé, sorti de l'Égypte et parti en Israël. Et aujourd'hui, une très grande famille avec 1 milliard de chrétiens sur la planète de la terre. Et je parle prophétiquement de la part de Dieu. Il y aura des millions encore des âmes qui vont être sauvées dans l'île de la région. Qui vont passer par la circoncision. Je ne parle pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. C'est-à-dire, leur cœur vont être coupés. Quand on parle de la circoncision, il fallait couper un morceau sur, bien sûr, le sexe de l'enfant mâle. Il faut passer par ce moment de coupure. Et qu'est-ce que cela veut dire? Quand quelqu'un passe par les eaux du baptême, à partir de maintenant, tu vas couper le pont avec le monde. Il y aura encore 1 000 personnes qui vont couper le pont avec le diable, avec ce monde, parce qu'ils vont entrer dans le salut de Jésus-Christ. Ils vont entrer dans la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi les Juifs sont venus à certains moments en disant « Nous sommes là pour obéir la loi de continuer dans la circoncision. » Mais Paul dit « Mais la circoncision n'est rien dans la chair. » Mais c'est la nouvelle naissance dans l'esprit et quelque chose. Ces gens maintenant qui vont passer par les eaux du baptême, ces gens ont expérimenté la nouvelle naissance. Ces gens ont expérimenté une nouvelle conscience, la conscience de la vie divine par Dieu le Père à travers Jésus-Christ. Et c'est là, ils ont compris. Il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de compromis, mais il y a Dieu qui convainc les gens de péché, de justice, de jugement. Et c'est Dieu qui transforme la vie d'une personne. Et Jésus, s'il a donné cet ordre en disant maintenant, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, et celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. L'engagement envers Dieu, c'est de faire alliance avec Dieu. Vous savez, il y a 3 institutions que Dieu nous a laissées dans la Bible pour que l'Église soit en pratique. La première institution, c'est le mariage. Quand on parle mariage, alliance, engagement. On respecte l'autorité de la parole de Dieu, l'homme qui trace son père, sa mère, et bien sûr, l'homme, la femme, il y a cette alliance ensemble. Jusqu'à que la mort, on ne sait pas. Après, deuxième institution, il y a la Sainte Cène. Jésus a institué la Sainte Cène avec ses disciples avant de monter au ciel. Et je veux dire qu'à chaque fois que vous allez prendre la Sainte Cène, vous allez faire ceci en mémoire de moi. Nous avons fait alliance avec le Seigneur à travers sa mort et à travers sa résurrection. Troisième institution, c'est le baptême d'eau. Avant que Jésus, après sa mort, que Jésus était ressuscité, il a institué le baptême d'eau en disant maintenant, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est juste pour vous dire, pardon, que le Seigneur, il a déjà tout mis ça à notre disposition. Il a tout mis. Et les gens qui vont passer par les eaux du baptême aujourd'hui, ça, leur vie est prophétique. Leur vie est prophétique pour les autres personnes qui ne sont pas encore baptisées. Leur vie est prophétique pour les gens qui vont venir au Seigneur dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, et particulièrement cette année en 2018. Le baptême d'eau, c'est une prise de conscience. On vient à l'église, parmi le peuple de Dieu, on a un problème, on est malade, on est tourmenté, on prie pour vous, le Seigneur fait un miracle. Mais vous n'arrêtez pas seulement un miracle. Mais Dieu veut vous sauver pour l'éternité. Alors qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vous convainc en disant, il y a plus. Il y a plus qu'une guérison, plus qu'une délivrance. Il y a plus que des bénédictions, mais il y a la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, le Seigneur pousse vers la révélation de la parole, vers la lumière de sa parole, en disant qu'il y a le baptême d'eau. Prêche la parole et emmène les gens de la répentance et de prendre engagement envers Dieu. C'est-à-dire, il y a une prise de conscience. Un chrétien bien-aimé et un être humain doit avoir une prise de conscience à un moment ou l'autre. De dire que maintenant, j'arrête avec ce train de vie. J'accepte maintenant. Et vous savez, bien-aimés, quand on parle de la circoncision, ça fait mal. Personne ne peut me montrer, peut me démontrer le contraire. Quand j'ai quitté ce monde, dans ma jeunesse, il fallait couper. Il fallait passer par cette circoncision de cœur. Il fallait être capable de dire maintenant, non, c'est fini avec le train de ce monde-là. Ça m'a coûté, bien aimé, un prix énorme. Parce que dans la jeunesse où j'étais, moi je n'étais pas comme certains jeunes, bien sûr, je suis dominé par le mal, mais j'avais place et position dans la société, bien aimé. J'étais quelqu'un qui avait l'honneur dans ce monde, que tout simplement le foot. Les gens vous acclamaient, les gens vous donnaient de l'argent, etc. Bien-aimés, c'était vraiment un endroit que je ne voulais pas quitter ça comme cela. Mais heureusement, quand le Seigneur dit, maintenant, tu dois séparer ce qui est vide et précieux. Maintenant, tu prends la décision. Et laisse-moi vous dire, bien-aimés, ce n'était pas facile. Mais Dieu m'a donné la capacité. Dieu a rendu les choses possibles par ma foi. Et je peux vous dire, bien-aimés, non, je ne regrette rien. Amen. Si tu regrettes d'avoir quitté le monde, tôt ou tard, le diable, il va te ramener. Moi, je n'ai pas regretté de quitter ce monde, bien aimé. Demain, 26 février, cela me rappelle deux enfants. On a grandi ensemble. On était à l'école. Ils sont morts si jeunes. Et les deux sont même l'âge que moi. Ils sont morts si jeunes. Mais de quelles conditions ils sont morts, c'est vraiment bien aimé triste. Ils sont morts pas en passant par le suicide. Ces jeunes, je joue ensemble. On a joué au football quand on était depuis primaire, on a joué ensemble. Jusqu'à ce qu'on est parti après au collège. On est resté, on a grandi. C'était comme mes frères, bien aimés. C'était comme on le fait jumeau, là. Mais quand je réalise, comment si je n'avais pas connaître le Seigneur en ce jour, peut-être je ne serais plus là aussi. Mais je dis, Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce, quel privilège que j'ai donné ma vie à Christ et que ma vie est sauvée. Et je sais seulement le Seigneur un jour m'en a appelé pour partir. Amen. C'est vraiment un cadeau du ciel quand quelqu'un connaît le Christ. C'est un privilège bien-aimé extraordinaire. Et réfléchissez un moment, les gens qui sont morts sans le Seigneur, qui sont morts tragiquement bien-aimés, quel héritage ils vont laisser derrière? Les enfants qu'ils ont laissés derrière.
ça va venir dans le bien. Moi, qu'il trouve le Seigneur, qu'il rencontre le Seigneur, que le Seigneur efface tout cela de leur conscience et leur donne une nouvelle conscience divine. Alors, pour vous dire ce matin, bien-aimés, c'est une prise de conscience. Sachant que notre vie ne peut pas aller dans l'infini sans un point de repère dans l'éternité. Nul de nous, aucun être humain sur la terre, ne peut partir dans l'infini sans un point de repère. Quand nous sommes arrivés dans ce monde, je suis quelqu'un que Dieu m'a donné ses cœurs. Quand je regarde les bébés qui sont inconscients de la vie, quand je regarde les bébés qui sont sans force, je dis que je dois faire tout pour protéger. Tout. Je peux être là, je peux avoir le regard ailleurs. Je dis fais attention, il y a un danger, l'enfant risque de se blesser. C'est dans ma nature comme cela vient. Même si mon dos est tourné, je sais que l'enfant peut se blesser quelque part. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Tout simplement, quand l'enfant arrive dans ce monde, on entre dans un monde, on sépare où est le chemin, quel chemin qu'il faut prendre. L'enfant ne sait pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est bien, ce qui est mal. On met le feu devant l'enfant risque de se brûler. Après un jeune que j'ai connu bien aimé, il ne savait pas le feu. Ses parents ont laissé une cartouche de fusil à sa disposition. L'enfant s'assoit devant le feu, il envoie ça dans le feu, tout explose, l'enfant est mort. Est-ce que vous êtes là? C'est qu'on arrive sur cette vie. C'est pourquoi Dieu a placé les hommes de Dieu, Dieu a placé les pasteurs, les évangélistes, tous les ministères, afin que les gens dans l'infini puissent avoir un point de repère. Il y a un seul point de repère qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Son nom est Jésus. Amen. Je ne peux pas vous prêcher dans l'évangile. Je ne peux pas vous prêcher ta religion. J'en ai pas. Je ne peux pas vous prêcher ma doctrine. J'en ai pas. Mais je vous prêche celui qui a été crucifié à la croix. Amen, amen. Je sais pourquoi il a été crucifié à la croix. Il a donné sa vie. Il a versé son sang afin que tu sois pardonné, que tu sois purifié. Il est ressuscité afin que tu puisses avoir peur de paix. Un jour avec lui là-haut dans le ciel. Tout qui est déjà baptisé. Vous faire baptiser dans quelques instants, il n'y a pas de repère. Jésus nous attend en haut dans le ciel. Il y a un savant qui a dit tout point fini dans son monde. S'il n'a pas sa réponse, il n'a pas trouvé. Mais nous avons trouvé le point de référence. Mon point de référence, c'est Jésus. Mon modèle, c'est Jésus. Mon ami, c'est Jésus. Mon grand frère, c'est Jésus. Celui qui me dirige le chemin, c'est Jésus. Il est tout pour moi, bien-aimé. Alléluia. Alors, pour vous dire que ce matin, nous avons besoin de comprendre si nous partons dans l'éternité, dans l'infini, sans un point de repère, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Un enfant arrive dans ce monde tout seul, il est perdu. Quelqu'un meurt, il part dans l'éternité, il est perdu. Il est perdu. Et quand on est perdu, il y a un chemin de perdition, et la parole nous appelle celui qui emmène le fils de la perdition, c'est-à-dire le diable. Il emmène les gens dans les ténèbres, on est perdu. Mais Jésus est là, il nous a donné sa lumière. Amen. Alléluia. J'ai envie de te dire ce matin, mais ne reste pas dans les ténèbres. Ami, sors dans ton ténèbre ce matin. Ami, si tu fermes les yeux aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Cette fin d'après-midi, je dois rencontrer une jeune fille qui doit mourir parce que sa situation, sa maladie, c'est dégradé, bien aimé. C'est juste pour sa santé, tu vois, c'est dégradé. C'est juste pour te dire, tout peut dégrader, le temps peut dégrader. Si l'homme peut arriver, tu peux mourir. Mais si tu es dans les ténèbres, personne ne peut pas te sauver. Personne.
ni ton argent, ni ton ami, ni ta famille. Personne ne peut te sauver. Mais seulement celui qui, la Bible dit ça, il a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes, vous et moi, afin de nous emmener à Dieu. Amen. Ça, Jésus est capable de t'emmener vers Dieu. Alléluia. Il n'y a personne d'autre. Alors je veux te dire, sois sérieux avec ta vie. Ne plaisante pas avec toi-même. Ne plaisante pas avec ton salut. Ne plaisante pas avec l'éternité. Parce que dans l'infini, tu as besoin de trouver celui qui connaît tout dans l'infini, dans l'éternité, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une seule référence dans le ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans, 18 années, bien aimé, pour nous montrer et donner le plan du salut. Amen. Pourquoi il est mort sur la croix? Yeah. Il est mort pour tes péchés, il est mort pour mes péchés. Amen. Et pourquoi il est ressuscité? La Bible dit ça. C'est afin de nous justifier. Ça. Parce que s'il est mort, nous ne pouvons pas aller au ciel et trouver le chemin pour entrer dans le paradis. Ça. Mais Jésus est ressuscité. Ça. Amen. Et c'est pourquoi lorsque les gens vont être plongés dans l'eau, leur vie ancienne, ils vont être circoncis dans l'esprit. Ça. Ils vont couper la relation avec tous les trains de ce monde. Et quand ils vont ressortir, ils seront ressuscités avec Jésus pour le ciel. Il n'y a pas d'autre message. Parce qu'il n'y a pas dans Jésus, il y a un seul Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit qu'il est mort pour le péché. Et Jésus est parti prêcher jusqu'aux enfers pour emmener ces gens qui étaient crédules au temps de Noé afin de le faire entendre la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et la Bible dit 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Et cette eau était une figure du baptême que nous pratiquons aujourd'hui. Et nous savons que Jésus-Christ maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus n'est pas mort sur la croix, resté sur la croix, resté dans le tombeau, mais 3 jours après il est ressuscité. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu. Amen. Si tu veux connaître l'adresse du Seigneur, il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Et c'est là un jour que tu vas partir. Si tu ne connais pas son adresse, tu arrives comme l'enfant n'a pas de guide, l'enfant est perdu. Alors le Seigneur, il est venu pour sauver les malades. Alléluia. Et avant de terminer, bien aimé, on dit tout simplement le baptême d'eau, institué par le Seigneur, n'est pas un jeu pour les enfants. Vous êtes là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le baptême d'eau, par immersion, c'est pas un jeu. C'est pas pour boire une pierre, ça. Vous n'avez pas compris. C'est pas mange pour boire une pierre, ça. Ça, c'est un jeu, ça. Mais avec esprit de compassion, je dis, Seigneur, il faut que je parle à ces gens-là. Parce que quand on parle réellement ce que est le baptême, c'est l'engagement du bon sens envers Dieu. Un petit bébé sait jouer avec l'enfant. Parents, parrains, marraines, des gens, non, lesquels mangent mon boudoir avec lesquels. Vous êtes là? Mais le baptême d'eau, c'est fait pour les adultes. Mais quand on parle, quand quelqu'un passe par les œufs du baptême, il n'a passé réellement par les œufs du baptême, il ne mange pas boudoir avec piqueur, mais il mange la chair de Jésus. Il mange le sang de Jésus, qui est son pain, qui est son sang. J'ai souffert, moi, avec boudoir et piqueur. Mes parents ne savaient pas mes souffrances. Mes parents ne savaient pas, bien aimé, ce que j'endurais à l'intérieur. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, quand Jésus se réveillait dans ma vie, quand j'ai entendu celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, je dis non, je veux me décider rapidement. 2 mois après, j'ai donné mon nom. Je dis, pasteur, je veux passer par les eaux du baptême, parce que je veux manger maintenant la chair et le sang de Jésus, parce que vous l'avez avec le cœur, bien aimé. Dans la semaine bataille dans la famille. Le diable est là. Le diable est à la porte. Mais quand tu manges la chair, tu manges le sang de Jésus. Tu cherches l'ennemi, tu le trouves.
il s'enfuira par quatre chemins de la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris cela? Alléluia. Ça, c'est la vérité. Et c'est temps, c'est le temps, c'est le moment. Parce que les gens cherchent, la nouvelle génération cherche la vérité. Et la vérité va se révéler dans cette nouvelle génération. Amen. J'ai vu une émission hier, les jeunes quittent maintenant les catholiques. L'évêque, le responsable, M. Aubry, il essaye de remanier quelque chose pour les jeunes, pour garder ces jeunes. Mais bien aimé, il peut arranger, déformer la religion. Mais il faut que le Christ se révèle dans le cœur. Il faut que le Fils se révèle dans le cœur. Il faut que la vérité avance sur ces gens. La vérité puisse engager avec le Fils. Le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Parce que quand nous quittons la terre, c'est vers lui que nous allons partir. Amen. Alléluia. Alors, pour vous dire ce matin, par sa mort, par sa résurrection, là, maintenant, nous sommes sauvés en obéissant sa parole à travers le baptême d'eau que le Seigneur a institué. Là, ce n'est pas un jeu pour les enfants, mais c'est les gens qui sont conscients de ce qu'ils vont prendre une décision faire devant le Seigneur. Mais c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Là, et comme je viens de dire, que nous puissions manger la chair et boire le sang précieux de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous avons terminé dans Jean chapitre 6, verset 58. L'évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 58. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Alléluia. Comment ça t'est décidé pour donner ton nom au prochain service baptême? Il y a un président de la République qui a dit que l'éternité est longue. Ça veut dire que tu ne trouves jamais l'endroit pour atterrir, mais avec Jésus, tu trouves l'endroit. Tu auras une maison là-haut. Amen. Amen. Jean chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant du Seigneur qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, dit le Seigneur. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, pardon, et je demeure en lui, dit le Seigneur. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, c'est-à-dire ma chair par la foi, vivra par moi, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, quand tu passes par les eaux du baptême, tu as droit à le privilège de venir à la table du Seigneur parce que tu as fait alliance avec lui. Et maintenant, tu as part de cette alliance que le Seigneur a laissée à travers la Sainte Seine, que tu as rappelé de ne pas oublier ton salut, que Jésus est mort sur la croix il y a plus de 1000 ans pour tes péchés, il est ressuscité pour te justifier. Amen. Et après avoir reçu une conscience pure par le sang de Jésus-Christ, votre conscience maintenant est apte de s'engager envers Dieu par le baptême immersion, c'est-à-dire de plonger dans l'eau. Cette bonne conscience, c'est une conscience innocente. Vous êtes innocent maintenant devant Dieu. Cette bonne conscience, c'est le salut de votre âme que vous obtenez par la grâce et par le moyen de la foi, dit l'apôtre Paul. Cette bonne conscience, vous n'avez pas payé. On ne paye pas pour le salut. Le salut est gratuit. Alléluia. Le salut est gratuit. Tout don parfait, quand on parle d'un don, bien aimé, il n'y a pas de prix à payer. Jésus a déjà tout payé pour nous à la croix du calvaire. Alors ce matin, vous, ils vont passer par les eaux du baptême. Vous allez faire alliance avec le Seigneur. Et cette alliance n'est pas pour quelques années. Cette alliance n'est pas pour quand tout va bien.
Mais cette alliance, vous devez persévérer jusqu'à la fin afin de garder votre salut. Amen. Amen. Quoi qu'il arrive, le Seigneur, il a déjà établi l'Église. Il y a l'homme de Dieu, il y a les anciens, il y a les diacres, il y a la famille de Dieu. Ça. Le Seigneur a tout déjà versé dans le corps. Il y a des gens qui ont déjà traversé le chemin et seront là pour vous encourager. Alors j'aimerais ce matin, avant de terminer, vous, pour la première fois que vous entendez la parole du Seigneur concernant le baptême d'eau, vous, pour la première fois, vous allez voir la pratique, le baptême d'eau par immersion. Ne remets pas plus tard. Remets plus tard, ça veut dire qu'un jour, je veux décider. Mais ce jour-là, peut-être, ce n'est pas toi qui vas décider. Peut-être c'est la maladie qui va décider. Peut-être la mort qui va décider. Là. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu entends sa voix, non, Dieu, ce n'est pas toi. C'est maintenant même le jour du salut. Amen. C'est maintenant même le jour du salut. Je vous invite de vous mettre debout à votre place. Alléluia. On va prier pendant que la chorale se mette en place. Pour lui, va s'aider. Avant que j'appelle les personnes qui vont se faire baptiser, j'aimerais prier sur la parole de Dieu, afin que Dieu puisse toucher les cœurs ce matin. Il y a des personnes qui ont hésité de prendre l'engagement aujourd'hui. Il y a d'autres personnes, pour la première fois, vous entendez ce message sur le baptême d'eau. Je prie afin que le Seigneur puisse vous éclairer, vous aider, que le Seigneur puisse vous convaincre, et que dans le prochain service baptême, aujourd'hui même, vous allez décider, vous allez donner votre nom. Si tu décides maintenant même, tu donnes ton nom, pour le prochain service baptême, dans 2 mois, si tu fermes les yeux ce soir ou demain, tu es sauvé, parce que tu as déjà pris la décision. Mais si tu refuses cette acceptation de t'engager avec le Christ, le Seigneur voit ton cœur, que tu refuses le salut. Alors le Seigneur veut te sauver. Parce que dans l'infini, tu as besoin de point de repère. Et seul Jésus est ton point de repère. Père, je te bénis ce matin. Je veux te dire merci pour la révélation de la parole qui est venue jusqu'à nous et qui est cette chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur de gloire. Celui qui est venu un jour sur cette terre, celui qui est mort à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous justifier et pour nous préparer et nous attendre un jour là-haut dans le ciel. Maintenant, je prie, Seigneur, que la parole qui était prêchée, ta parole, Seigneur, je sais que ta parole, elle est vivante, ta parole est puissante, ta parole est permanente, Seigneur. Je sais que ta parole, elle est pleine du Saint-Esprit. Elle est capable, Seigneur, de séparer ce qui est venu des péchés. Ta parole est capable, Seigneur, de convaincre les cœurs. Et par l'assistance, la personne du Saint-Esprit, je prie maintenant, Seigneur, les consciences qui ont été interpellées ce matin puissent se décider pour le prochain service baptême de s'engager, Seigneur. Seigneur, je crois de tout mon cœur qu'il y aura encore d'autres personnes qui vont être circoncis, Seigneur. D'autres personnes qui vont couper le pont, Seigneur, avec ce monde. Qui vont couper le pont avec les ténèbres, avec le diable. Qui vont se tourner vers toi. Chasse à l'esprit. Veille ce matin de le toucher. La parole a été prêchée. Et maintenant, Seigneur, maintenant tu agis dans la vie. Tu le touches. Parce que c'est pas ma parole. C'est pas mon évangile. Mais c'est ton évangile que tu m'as confié. Alors Jésus, là qui est le cœur de cet évangile. Là qui s'est sacrifié pour cet évangile. Et la bonne nouvelle sortit, Jésus. Que cette bonne nouvelle impacte la vie, Seigneur, de toutes les personnes humaines. Au nom puissant de Jésus. Je le remets entre tes mains. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint. Merci. Nous allons baptiser les sœurs en premier. J'invite les sœurs de s'approcher sur le devant. Et pendant ce temps, la chorale me conduit dans un chant. Et que nous prions, que nous relâchons la grâce de Dieu. Venez les sœurs, tous les sœurs, allez bien avec vous. Vous avez, si vous avez déjà. Sans cela, il y a les effets. Ouais.
Merci.
remercier tout le monde. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon. Le Seigneur est content. Amen. Si vous êtes content ce matin. Amen. Amen. Si vous pouvez saisir ce matin dans l'esprit combien le cœur de notre papa est dans la joie. Amen. C'est moi qui m'as dit. Amen. Mais il est prêt, c'est là aujourd'hui. Après, demain, nous allons nous rendre. Merci, merci. Vous montrez comment le Seigneur veut les choses établies. Merci. Père, nous voulons te dire merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Merci pour ta grâce dans la vie de notre sœur Marie-Lise. Nous avons pris ta main à l'œuvre, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas notre puissance ni la force, mais c'est ton esprit qui a fait un travail, Seigneur, remarquable, un travail extraordinaire dans sa vie, Seigneur. Tu l'as libéré, Seigneur, de tous les fardeaux du péché, Seigneur, de tous les mensonges du diable, toutes les tromperies du diable, Seigneur. Là où le diable a volé, Seigneur, a essayé même de voler son âme, de voler sa vie, Seigneur. Mais Jésus, toi, tu es le bon berger. Tu as donné ta vie pour tes brebis. Soit dans l'abondance. Merci parce que son cœur est dans l'abondance, Seigneur. Et la raison que nous voulons, Seigneur, la baptiser aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, l'emmener dans cet engagement sur la décision de sa foi. Et nous voulons la faire un disciple en la baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
bien. Chabonnet, petit témoignage. Je remercie tous les frères et sœurs qui sont là présents à mon baptême. Quand je suis venue ici, ce n'était pas pour le baptême. Mais là, j'ai pris ma décision et je me baptise. Ben, je crois et j'ai confiance en Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Quand il est venu, il n'est pas venu vous engager. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc. Amen. Amen. Alléluia. On va la faire ici pour aujourd'hui. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour notre sermon. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci Dieu parce que tu sais comment convaincre quelqu'un déjà. Tu sais comment emmener les gens vers ton Fils personnel. Merci Jésus parce que tu te révélais. Merci Seigneur parce que tu as fait tellement de choses extraordinaires dans sa vie. Et la nouvelle naissance que tu l'as donnée, Seigneur. Et merci de ce que tu as emmené la compréhension dans son esprit, mon Dieu. D'abandonner tout ce qui est statuette, tout ce qui était d'erreur, Seigneur, de la religion, afin qu'elle puisse prendre, Seigneur, la bonne décision. Et je crois, nous croyons, Seigneur, elle a fait un très bon choix de choisir Jésus comme sauveur, comme Seigneur, comme chemin, parce que tu es la seule référence dans l'éternité. C'est la réponse de sa foi, Seigneur. Nous voulons la faire un disciple en la baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Son engagement, Seigneur, c'est un engagement éternel parce que Jésus,
tu es venu nous donner, Jean, comme tu es venu nous annoncer la vie éternelle, et tu es venu nous donner la vie à l'avance. Sa béni, Seigneur, et sur la réponse de sa foi, sur sa décision, Seigneur, je vais la baptiser, Jean, selon ta parole, Seigneur, par immersion, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, Jean, je vais la faire visible ce matin. Merci.
Dieu le Père. Et nous voulons ce matin, Seigneur, lui emmener à l'obéissance de sa foi. Lui faire disciple, Seigneur. Je vous prie que la grâce de Dieu, pense que sa vie, l'a blessé par la force, par sa puissance, et que la grâce par le Saint-Esprit nous dirige. Au nom de Jésus-Christ, merci notre Dieu. Et nous acclamons le Seigneur. Saint-Esprit, dans ton amour, Père, dans ta grâce, Jésus-Christ, et avec la communication du Saint-Esprit, nous voulons lui faire d'ici. Un petit témoignage. Bonjour à mes frères et sœurs.
pourrais être là, parce que ça aurait été trop loin. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette parole. Réellement. Ah, gloire à Dieu. Amen. Tu n'es pas de quoi? Non, j'ai tellement des trucs à dire. Ce sera pour la prochaine fois. Il portait des statues, moi, à un moment. Mais il doit rendre ce témoignage. Mais il a abandonné tout cela. Il portait la lourde pour les hommes. Hein? Il portait la vierge. Et il a dit, non, c'est trop fatigant. Mais à chaque fois qu'elle retourne, il est debout même. Il est lourd en portant la vierge jusqu'à la lourde. Même porter les gens malades. Et c'est lui qui était malade après quoi. Mais il a dit, bon, maintenant il faut arrêter avec tout ça. Et depuis ce jour qu'il a pris la décision, là, vous savez, il est chef d'entreprise, là, sa propre entreprise, il a dit qu'il est saturé de bon travail partout. Là. C'est grâce à sa décision. Amen. Ta résolution, tes résolutions dépendra de ça. Amen. On va le faire ici. Seigneur, nous voulons te dire merci pour notre forme. Merci pour la grâce, mon Dieu. Seulement, ce n'est pas la grâce, nous sommes sauvés. Amen. Nous n'avons pas fait quoi que ce soit pour mériter le salut, mais nous avons accepté la grâce. Amen. Grâce à Jésus qui sauve par la foi. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que ton évangile, ta parole a touché son cœur. C'est vrai, Seigneur, qu'il m'a rendu témoignage, qu'il est venu seulement, Seigneur, à partir aussi des. Il est venu seulement pour une bénédiction. Et voilà, Seigneur, aujourd'hui, il a pris la décision de s'engager. Il a pris la décision de prendre le chemin pour l'éternité. Et maintenant, c'est le public qui va porter les autres. Mais c'est toi, Jésus, qui porte sa vie dans l'éternité. C'est toi qui vas l'emmener un jour, Seigneur, dans le paradis. Et il sera là, Seigneur, avec toi dans la félicité. Merci pour sa décision, et sur la réponse de sa foi, sur sa décision, Seigneur, je vais lui faire un disciple aujourd'hui, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon ta parole. Merci, Père, au nom de Jésus. Thank you.
mon frère baptisé. Et nous allons remercier le Seigneur, parce que si vous avez besoin de partir avec toi, vous pouvez partir après avoir prié ensemble. Et bon, nous remercions le Seigneur tous ensemble.